Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la partie 2 de mon haul Shein. Donc la première partie, c'était réservée aux maillots de bain. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et je vous mettrai également la première vidéo Shein que j'ai faite sur ma chaîne. Alors là, ce sera vraiment réservé aux accessoires. Sac à main, pyjama, vêtements. Il y a un short de pyjama que je ne retrouve pas. Je l'ai déjà porté. Je vous inclurai une photo pendant le haul. Je vous donnerai les prix de chaque article comme d'habitude. Et vous aurez aussi les liens avec le prix original en barre d'infos. Sachant que j'ai tout eu en réduction. Et un peu en solde aussi. La taille, c'est toujours 52. Donc je vais pas le dire à chaque fois. C'est taille 52. On va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec les accessoires. Il y a une paire de boucles d'oreilles. Alors ça, c'est le rituel pour les commandes Shein. Je prends toujours une paire de boucles d'oreilles à ma mère. Parce qu'en fait, elle met des clips. Et elle en trouve très rarement. Je lui en ai pris une paire. Elle l'a déjà prise. Donc je vous mets la photo et le prix. Donc on va passer par mes achats accessoires. Alors pour commencer, j'ai pris cette jolie petite trousse imperméable, je suppose, avec des petites marguerites et le petit fermoir, c'est une petite étoile. Ça, trop bien pour mettre le maquillage, pour les retouches dans le sac à main, ou pour mettre médicaments ou je ne sais quoi. Mais je la trouvais beaucoup trop mignonne et à un prix dérisoire. J'ai pris la petite pince à cheveux qui allait avec. Franchement, c'est pareil, bon, c'est pas une qualité de ouf. Mais je veux dire, la dernière fois que je suis allée chez Claire's, par exemple, il y avait des pinces. Elle coûtait 16, 17 euros, voire 20 euros. De toute façon, vous aurez le prix indiqué. Mais ça coûte que dalle. Donc, ouais, je voulais la pince qu'elle avait. Et j'ai pris un autre truc avec des marguerites, je vais vous montrer. Des petites pinces. Alors là, je me dis, un style de chignon, comme j'ai fait là, mettre plein de petites marguerites pour faire des photos, même pour porter tous les jours. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Et en fait, c'est des petits clips avec les pinces. Ça s'enlève et ça se remet. Donc, si vous recevez avec les clips en dehors, ne vous inquiétez pas. C'est normal, il y a un petit trou pour rentrer la petite pince à l'intérieur. Je sais plus combien il y en a. Donc, je vous mets les liens en barre d'infos. Mais c'est beaucoup trop mignon, ça, pour l'été. J'aime trop. Après, ce sont des paires de boucles d'oreilles. Alors, j'ai pris un set spécial été, spécial plage. Ce petit set, mais ça, ça coûte rien du tout. Et il y a quand même 6 paires de boucles d'oreilles. Donc j'ai pris 3 formats puces. Donc il y a des petites perles, style perles de culture. Des petites étoiles et des espèces de petites feuilles, je suppose. Et il y en a des pendantes, donc avec des coquillages. Vous voyez, elles se relèvent tout le temps. Des petits coquillages comme ça. Des petits coquillages comme ça. Et des petites étoiles de mer, je trouve. Trop, trop belle. Là, je porte celles que j'avais achetées dans ma première commande. Je les adore, je les ai déjà portées plusieurs fois. Je vais pas m'attarder trop longtemps sur les accessoires, parce qu'il y a quand même pas mal de vêtements. J'ai trouvé une sublime paire de boucles d'oreilles tortues. Oh, elles sont magnifiques, j'ai tellement hâte de les porter. Là aussi, ça ferait super beau. Elles sont toutes plates, en fait, mais vraiment magnifiques. Faites attention si vous les commandez. Parce qu'il y a des petits fermoirs, vous savez, en plastique, qui sont à l'intérieur du pochon. Mais celles-ci, franchement, elles sont vraiment sublimes. J'ai craqué pour une paire. Des magnifiques hippocampes. Oh non, mais ils sont trop beaux, franchement. Oh, j'adore. Vraiment, celles-ci, elles sont sublimes. Mais c'est pareil, avec un haut noir, ça va avec tout ça. Bon, j'ai craqué que pour celles-ci en boucle d'oreille, c'est déjà pas mal. Je m'en fais une belle petite collection. Alors, niveau qualité, c'est très bien, je trouve, pour le prix. Par contre, moi, je supporte très mal la camelote. Celle-ci, j'arrive à les porter longtemps avant que j'ai une gêne ou que ça me gratte et tout. Donc, je suis super contente parce qu'il y a des boucles d'oreilles. À peine je les mets, ça me gratte tout de suite. Donc, écoutez, la qualité est pas si mal si vous avez les oreilles fragiles comme moi. On va passer au sac à main. Alors, il y a un sac à main, j'ai grave rigolé parce que je voulais un petit sac de plage. Et vous savez, comme j'aime les sacs en bandoulière, comme autour de soi, je me suis dit j'en veux un pour aller à la plage, style paille, tout ça. Et au final, j'en ai trouvé un qui n'était pas cher, mais j'avais pas vu que c'était un mini. Je me suis dit, quand je l'ai reçu, c'est un sac Polly Pocket ou quoi. Il est trop mignon, hein. Mais sur moi, c'est avec ma carrure, c'est légèrement ridicule. Surtout quand je le mets autour de moi, il remonte genre là à peu près. C'est pas terrible, quoi. Mais il est beaucoup trop mignon. Tant pis.
Par contre, je me suis commandé deux sacs à main. Et alors ça, c'est grâce ou à cause de Amy, de la chaîne Amy Somo, si tu passes par là. C'est elle qui m'a fait craquer pour ses sacs à main. Il me les fallait absolument. C'est une grande fan de Looney Tunes. J'adore aussi les Looney Tunes, c'est mon enfance, on va pas se mentir. Je me sens vieille. Hein. Et du coup, il y a un sac Bugs Bunny. Regardez-moi cette beauté. Non, mais ce sac, il est beaucoup trop beau. Oh, c'est un petit sac comme ça. Mais franchement, je le trouve magnifique. Et ça, c'est la matière qui se nettoie facilement. Oh, il est vraiment beau. Et je l'ai vraiment pas cher du tout. Je suis trop fan. Et j'en ai pris un deuxième parce que alors là, super nano. Le sac à main m'a fait littéralement craquer. Alors il est encore une fois rose, mais il est trop beau. Oh non, mais franchement, ça c'est pareil, c'est toute mon enfance, les super nano. Et en fait, celui-ci, il y a des petites chaînes. J'adore. Aïe, ça sent le plastique, hein. Je ne vous ai même pas montré l'intérieur. C'est vraiment très simple, hein. Il y a juste une petite pochette sur le côté. Trop mignon. Et le Bugs Bunny, du coup, je vais vous montrer l'intérieur. Je sais pas si je vous l'ai montré. Ah, celui-ci, il y a zéro poche. Ce sont des jolis petits sacs qui font leur effet, je trouve. Et j'ai craqué dessus. Alors, on a fini pour tout ce qui est accessoires, bijoux. On va passer au vif du sujet, les vêtements. Donc, la pro. Non, déjà, on va commencer par le short qui a disparu. C'était un short de pyjama. Je l'ai porté, sincèrement, c'est le genre de short qu'on peut porter. Même en tenue tous les jours, je vous mets la photo de l'article. Il est hyper confortable, large. J'adore la matière. Il est génial. Je suis dégoûtée de ne pas le retrouver pour vous le présenter. C'est le seul article que je ne peux pas vous porter. Sinon, la deuxième tenue, c'est celle que je porte. Donc c'est pareil, vous aurez l'extrait juste après avec l'essayage. Là, c'est une combi short. Pépite. Alors la première tenue, donc c'est celle que je porte pour faire le haul. Donc c'est une combi short avec le short kaki. Bon, comme d'habitude, mon ventre ça me gêne, mais je peux pas l'enlever. Je trouve qu'elle taille super bien, je suis trop à l'aise dedans. C'est léger, il y a la petite ceinture et j'adore la matière, j'adore le haut surtout. Si je le trouve en maillot comme ça, je le prendrai. Je suis trop à l'aise. Franchement, j'aime beaucoup cette tenue. Bien pratique. Je suis désolée pour la luminosité, mais il fait gris aujourd'hui. Ça va, il fait pas trop chaud, donc pour les essayages, ça va aller. Mais je suis désolée, j'espère que vous verrez correctement. On va passer au deuxième article. On a encore une combi short que je trouve vraiment très jolie. Avec des bretelles toutes fines, blanches, comme ça, avec des boutons. Et le short est tout fleuri, rose. Une matière pareille, ultra légère. Et il y a la petite ceinture avec, je les ai enlevées. Franchement, j'adore. J'adore ce modèle. Je sais pas ce qu'il va donner du coup, parce que je n'ai pas encore essayé. J'espère que tout me va surtout. Mais ça, vraiment, c'est le genre de tenue hyper confortable. Juste quand on va aux toilettes, c'est très chiant les combi shorts. Mais sinon, j'adore ce type de modèle. C'est léger à porter, c'est agréable. Alors, ce que j'aime, je sais pas si celle-ci c'est pareil que celle que je porte. Mais les shorts sont longs et du coup, il n'y a pas le frottement des cuisses. Ça, c'est génialissime. Petite combi short, je cache encore. Très joli, très très joli aussi, très confortable. Le short descend bien jusqu'au bout des cuisses, presque en tout cas. Ouais, j'adore, c'est léger et très agréable à porter. On a toujours une petite ceinture, non, franchement, je valide. Troisième article. Alors là, j'ai pris une robe jaune. Alors, je crois que j'ai eu un commentaire avec le jaune, les bêtes et tout dans un de mes vlogs. Oui, je sais, les couleurs flash comme ça attire les insectes. Moi qui adore ça. Mais c'est pas grave, je prends le risque. J'ai envie de jaune aussi cette année. Donc j'ai pris du jaune. Là, ce serait plus un jaune moutarde. Mais la robe est vraiment très jolie. Pareil, des bretelles assez fines. Très fines. Il y a un nœud au milieu. Et en longueur, elle est ni trop grande, ni trop courte. J'adore. Le motif est vraiment beau. Elle a l'air ultra légère et confortable. Vous avez aussi. Le dos, c'est élastique. Hein. Donc franchement. Elle s'élargit très très bien quoi. La petite robe jaune, vraiment parfaite. Pas un grand décolleté justement, c'est nickel. J'adore le devant avec le petit nœud. Elle est vraiment belle. Celle-là, elle est vraiment au-dessus du genou. Ouais, genou. Le dos est quand même vachement ouvert et bien élastique. Donc confortable à souhait. Une pépite celle-là, j'adore. Je dis pas que tous les modèles me vont bien. Ils me mettent en valeur.
Mais comme je disais, le principal, c'est que je sois à l'aise dedans, que je me trouve bien et que ce soit joli. J'ai pris un peu plus de robe, je crois, dans cette commande. J'ai pris une robe que j'ai vue en solde. Déjà, en solde, elle était vraiment pas chère. Et après, j'avais un coupon pour temps, avec une réduction. Donc, j'ai craqué sur cette jolie robe. Pareil, avec le haut blanc et des petites bretelles grave mignonnes. Et je galère à vous montrer, mais vu que j'essaie après, c'est pas grave. Donc, voilà. Le motif très joli aussi, très printanier, très estival. Enfin, j'aime beaucoup. Et pareil, vous avez une petite ceinture à mettre autour. Petite robe. Alors déjà, on est d'accord que les bretelles sont magnifiques, rien que ça. Ce que je vois sur les vêtements chinois, c'est qu'ils sont d'un confortable. Tout ce que j'achète, c'est hyper confortable. Alors là, on voit quand même assez bien la poitrine. Donc, je vais cacher. Mais sinon, la robe est vraiment très jolie. Elle va jusqu'aux genoux également. J'adore le motif, c'est ultra léger. Je pense que je vais investir justement dans des cache-tétons. Parce que je trouve justement que ça tient bien. Ça, c'est comme un maillot de bain. Et j'aimerais pouvoir porter sans soutien-gorge. Mais je préfère quand même cacher cette région. Donc, je vous montre pas. Mais vous voyez comment elle est vraiment confortable. Et toujours une petite ceinture. Trop à l'aise. Par contre, faut aussi que je m'achète des shorts cyclistes pour mettre en dessous pour les cuisses. Puis bon, s'il y a un coup de vent, c'est jamais. Mais j'aime beaucoup cette matière, c'est style un peu maillot de bain. Donc oui, ça colle. Ça colle un peu, c'est logique. Mais j'aime beaucoup ce style de matière. Non, franchement, j'adore. Après, je me serais écoutée, j'aurais acheté encore plus de choses. Mais on va se détendre. Je vous ai dit dans la précédente vidéo où j'ai acheté mon maillot de bain tournesol, je suis à fond dans les tournesols et les petites marguerites apparemment. Du coup, j'ai pris deux vêtements avec des tournesols. J'ai repéré depuis quelques temps une combi short avec des tournesols. Le haut est moutarde. Là, c'est vraiment du moutarde. Déjà, le haut, je le trouve magnifique. Le petit détail là qui passe avec toutes les petites fleurs, la couleur, la matière voile comme ça, fine et légère aussi. J'utilise beaucoup les mêmes adjectifs, mais c'est ce qui correspond aux vêtements que je sélectionne en fin de compte. Et alors le bas, on est sur des tournesols. Donc c'est un short qui a l'air peut-être un petit peu plus court. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est sublime. Alors celle-ci, elle va faire son effet. Hein. Petite combi coup de cœur avec les tournesols. J'adore. J'adore. Le short tombe bien. Gros coup de cœur. Et alors, ce qui est génial, je vais pas l'enlever, mais il y a un petit clips ici. Si vous pouvez faire ça sur toutes les combi shorts, ce serait parfait. Ah ouais, non mais celle-là, le motif. Je suis vraiment fan. Le short est plus court, comme je l'avais dit. Alors par contre, sans soutien-gorge, on voit la forme de la poitrine, on voit les tétons. Donc, si ça vous gêne, bon après, il y a des caches-tétons, je crois qu'on peut en acheter. Ou mettre un soutien-gorge, quoi. J'ai craqué pour une robe beaucoup plus longue. J'espère que je ne vais pas marcher dessus, vu que je suis petite. J'espère qu'il y a une mouche. Une robe blanche avec des grosses fleurs dessus. Encore des bretelles fines. J'ai pris beaucoup de bretelles fines. Avec une ceinture élastique. Et elle est un peu plus longue, il me semble, que les autres. Le motif, je le trouve magnifique. Franchement, celle-ci, je trouve qu'elle fait aussi, même pour un mariage, un baptême, une soirée, franchement, elle est sublime. Gros coup de cœur. Encore une fois, un gros coup de cœur pour cette robe blanche. Il y a une doublure à l'intérieur qui va jusqu'en bas des fesses. Donc, c'est parfait. Vous inquiétez pas, on verra pas de travers. Bretelle toute fine, très jolie. Et au niveau de la longueur, je sais pas si vous verrez, mais franchement, elle tombe très bien aux genoux, en fait. Non, franchement, c'est un gros coup de cœur également. Je pensais pas que j'allais mettre des robes cet été. Je suis grave fière de moi. Et ouais, trop confortable. Et pas besoin de soutien-gorge, franchement, nickel. Encore une petite robe. Effectivement, j'ai pris plus de robes dans ce haul. Alors, celle-ci, elle est en promo. Mais vraiment une belle promo, il me semble. Ou c'est la moutarde du début. En tout cas, je l'ai vraiment pour un pauvre prix. Cette robe-là, cette fois-ci, c'est vraiment pas des bretelles. C'est quelque chose comme un maillot, un peu. Il y a des petits boutons, c'est noir du coup, et vert comme ça. J'adore. L'ensemble, c'est sublime.
Il y a une ceinture, encore une fois. Ça habille beaucoup les tenues, les ceintures. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous en collent presque dans tout, en fait. Mais ça, c'est très simple. Mais c'est pareil, je trouve que ça fait son effet, quoi. C'est plus lourd comme tissu. C'est un peu plus chaud, surtout le haut. Et même cette matière-là est un peu plus lourde que les autres robes que je vous ai présentées. Mais comme ça, en vert, je trouve ça très, très joli. J'adore cette robe. J'adore le haut. Et j'adore, elle est légère à porter, elle est vraiment, vraiment jolie. Il y a une petite ceinture encore une fois, mais là c'est encore une fois un gros, gros coup de cœur. J'aime beaucoup trop. C'est une matière un peu plus lourde à porter, comme je vous ai dit, mais on est trop à l'aise dedans. Validé à 100%. J'ai repris une robe, vous savez, dans le précédent haul Shein de vêtements, pas de maillot de bain. J'avais pris une robe que j'adorais, c'était ma pièce pépite de toute la commande. Et du coup, j'en ai pris une avec un autre coloris. Je vous avais dit que je voudrais d'autres coloris de cette robe. J'ai pris en rose, comme ça, rose bébé, poudré, je sais pas trop. C'est un rose très clair, donc toujours avec le col bardeau. Et j'ai l'impression qu'elle est plus courte, celle-ci, ou c'est moi qui rêve, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est un modèle que j'ai adoré. Je la porte quand même très régulièrement. Il fallait absolument que j'en ai une autre. La fameuse robe que j'avais déjà en bleu, je l'aime autant en rose. J'ai vraiment envie de me prendre tous les coloris de cette robe. Retenez-moi. Mais celle-ci, c'est pépite. C'est vraiment pépite. Toujours au genou. Donc au final, oui, elle fait là la même longueur que l'autre. C'est parce que l'autre, le tissu est plus distendu, vu que je l'ai porté, mais... Pépite aussi. Encore une robe. Et ouais, j'ai craqué pour les robes. Tournesol encore. Alors là, coup de cœur. Gros coup de cœur. Je l'avais repéré. Bretelle beaucoup plus large. Effet maillot de bain, la matière. J'adore le haut. Il est très joli. Mais alors, ça, c'est beaucoup plus lourd à porter aussi. Hein. Les tournesols qui sont un peu moins beaux quand même que sur la combi. Mais franchement, je la trouve vraiment sublime. Oh, j'adore. La petite robe tournesol, j'adore. Oh, j'aime trop. Franchement, elle est grave belle. Elle arrive au genou également. J'adore le motif. Ça a trop à l'aise dedans. C'est des grosses bretelles. Pas besoin de mettre de soutif en plus. C'est génial. Ensuite, nous avons un petit pyjama. Alors au début, je voulais prendre deux pyjamas complets et je me suis trompée sur le deuxième parce que celui-là que j'avais sélectionné dans mon panier, il avait disparu. Du coup, je me suis dépêchée. Je voulais deux pyjamas. Au final, il n'y avait que le short dans l'autre. Je voulais des ensembles. Du coup, j'ai quand même réussi à avoir un ensemble. Donc, c'est un petit short comme ça en motif un peu, je sais pas, léopard, vache, j'en sais rien. Bon, à plus félin, ouais. Léopard, un truc comme ça, rose. Donc, le dessous, c'est comme ça. Il a l'air très confortable. Par contre, l'eau, j'ai l'impression que c'est style crop top. Donc, ça m'embête un petit peu. Mais c'est pas grave. La matière est un peu bizarre. Mais je pense que ça va le faire. J'aurais voulu quelque chose de plus léger. Faudrait que je me renseigne mieux sur les pyjamas. Et du coup, le haut, c'est pareil, des petites bretelles. Ouais, bah, c'est un truc de chaud. Voilà. Et il a l'air un petit peu court. De toute façon, je vais l'essayer, on verra. Mais j'ai plus de pyjama, surtout d'été, donc il m'en fallait. Je suis en train de me décoiffer à chaque fois. Le petit pyjama, on valide. Au final, c'est pas un crop top, il descend bien. J'en regrette juste, c'est la matière qui est quand même assez chaude. Franchement, j'adore. Ça, c'est nickel. Mais j'aurais préféré un truc beaucoup plus léger à porter. Mais je valide quand même. Avant-dernière pièce, un petit short. Petit, tout est relatif, mais c'est un short. Un short noir avec des fleurs blanches. Oui, beaucoup de fleurs. Quasi que des fleurs dans mes commandes. Donc, il se resserre. Donc, c'est extensible, mais ça se resserre au niveau de la ceinture. Donc, c'est pas mal. Il a l'air long quand même et c'est assez fluide. Il me fallait un petit short comme ça. C'est vrai que les shorts, c'est pareil, j'en ai très très peu. J'ai celui-là de la première commande, en fait, le rose. Et je voulais quand même un noir. J'aurais bien voulu aussi un noir uni. Mais bon, on verra plus tard. J'ai gardé l'autre pyjama pour vous montrer le petit short. J'aime beaucoup aussi. Alors, vous voyez, c'est la même taille. Mais c'est un petit peu plus serré. Mais ça va, franchement. Je valide aussi, il est très joli. Et la dernière tenue que j'ai commandée, c'est encore une combi short, mais alors là, vous savez, dans le premier haut, j'ai commandé une combi short.
C'est comment ça s'appelle, les décolletés en portefeuille ou je ne sais plus. Et je trouvais, je l'ai porté hier, c'est hyper confortable, mais il faut mettre un petit débardeur en dessous. Vous savez, les tout petits débardeurs fins. Parce que le décolleté, j'aime les décolletés, j'adore les décolletés. Mais en fait, c'est le genre de truc que je veux porter sans soutien-gorge pour traîner ici. Et par contre, c'est, on voit tout, quoi. Faut quand même mettre un petit top. Mais je parle de ça parce que là, j'ai commandé une combi short dans le même style. Mais là, le décolleté, c'est joli, hein. Vous pouvez faire des petits nœuds sur le dessus. Le motif, j'adore. Mais regardez. Enfin, dans le dos, on s'en fout. Mais devant, faut mettre un maillot en dessous, quoi. Ça, on va voir tout. Je sais même pas comment je vais. Oh, il y a le chat des voisins dans le jardin. Elle fait trop sa vie. Bref. Je sais pas. Faut mettre un petit débardeur en dessous, je pense. Je sais pas comment je vais le présenter. On va voir. Et donc, oui, c'est une combi short classique, bien large, bien ample. J'aime beaucoup. Combinaison avec le décolleté de malade que je referme parce qu'il est vraiment trop décolleté. Elle est jolie. Un peu large pour le coup, celle-ci. Mais je pense que à mettre au-dessus du maillot de bain quand on sort de l'eau ou pour se poser dehors, ça doit être pas mal. Je la trouve jolie, mais je ne rachèterai pas ce type de combinaison. Ouais, alors ce genre de combinaison short, je vais peut-être plus en acheter dans ce style-là parce que le décolleté, ça me gêne. Et s'il faut mettre un petit top en dessous à chaque fois, pff. Bref, on peut le faire. Mais ça gâche un peu la tenue au final. Enfin, je sais pas. Je suis pas aussi fan. Mais je vais quand même voir ce que ça donne. On verra bien. Donc voilà, mon petit haul est terminé. Petit haul qui est quand même assez balèze. J'ai un problème avec le mot petit. Petite, je le sors à chaque début de phrase, chaque début d'article. Je sais pas pourquoi. Surtout que c'est vraiment pas des petits trucs en soi du 52. C'est pas. Non, c'est pas petit. Mais du coup, je suis contente de ma commande. Là où je vous parle, j'ai pas encore fait les essayages. Je fais tout après d'affilée. Donc j'espère que tout va m'aller correctement. Je suis en train de devenir un peu accro à Shein, je vais pas vous mentir. Je ne vais pas refaire de commandes, je ne pense pas refaire de commandes. J'avoue qu'il me manque encore quelques trucs, mais j'hésite. Pas forcément à passer commande, mais j'hésite à refaire un haul. Je ne sais pas en fait, je verrai bien si j'ai des choses, peut-être que je vous l'inclurai dans un vlog, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.